Bonjour et bienvenue Média en scène. Mais si vous nous rejoignez, entre concurrence et convergence, le renouveau de l'info locale, pour parler de ce sujet vaste, quatre invités. Sophie Gourmelin, vous êtes la directrice générale du Parisien. Philippe Antoine, directeur des rédactions de BFM Région. Pardon. Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu. Et Mathieu Fritsch, responsable de partenariat, médias d'actualité, Facebook France, Europe du Sud. Quel titre ? Est-ce que, et une question que j'ouvre peut-être plutôt pour tous les trois, côté presse, côté information, est-ce que il y a vraiment un nouvel appétit pour l'info locale, ou au fond, est-ce que cet appétit des Français existe depuis assez longtemps et ne s'est jamais démenti ? Il va falloir prendre des micros. Alors, je me lance, j'y vais. Moi, je pense qu'il y a effectivement un renouveau de l'information locale. Non pas qu'il n'y ait jamais eu d'intérêt pour l'information locale, bien au contraire, mais je pense qu'il y a une nouvelle forme d'intérêt et de besoin de nos lecteurs sur l'information locale. On va être un peu moins, à mon sens, sur du micro-local que sur de l'information locale plus thématisée, avec des sujets, notamment ce qui concerne l'Île-de-France, qui concerne la vie des gens, hein, les transports, l'immobilier, la garde d'enfants, etc. Donc il y a des sujets, en fait, pour moi, qui sont plus thématisés aujourd'hui, qui sont du ressort de l'information locale. Et pour moi, le besoin a évolué, mais il est toujours aussi fort et prégnant. Je ne sais pas si mes confrères diront la même chose, mais... Je poursuis. Alors, je poursuis court pour dire, pour aller dans votre sens. Il n'y a certainement jamais eu de désintérêt pour l'information locale, puisque l'info locale, c'est pour une partie tout ce qui fait votre vie, 50 km à la ronde autour de là où vous vivez, et que on a toujours besoin de se réassurer autour de soi et de connaître son environnement immédiat. Effectivement, la dimension servicielle est extrêmement forte, extrêmement attendue, sur tout type de support. D'ailleurs, c'est pour ça que les supports se complètent pas entre les différents outils qu'on peut utiliser pour parler à nos audiences. Donc, c'est certainement un renouvellement, et un enrichissement et une diversification de l'information locale. Mais je ne pense pas que ce soit un retour d'intérêt, parce que l'intérêt, il est présent au quotidien pour chacun d'entre nous. Je pense que peut-être qu'on a pris davantage conscience de l'importance de l'information locale. Si on se reporte quelques mois derrière nous, vous vous souvenez, on en était quartier par quartier, à savoir à 100 mètres de chez soi ce qu'on pouvait faire. Donc il n'y a pas plus local comme information que celle-là. Donc je ne pense pas qu'on a peut-être redécouvert... son importance. Après, l'information locale, elle existe toujours. Je pense que ce qui a sans doute évolué, c'est la façon de la traiter et par média aussi, comment chaque média traite de cette information. Et si je parle des BFM régions, par exemple, des BFM locales, ce qu'on s'est dit il y a 5 ans, c'est que l'information locale, c'est une donnée extrêmement importante dans la vie quotidienne des gens, mais qu'il n'existait pas en France de chaîne qui faisait de l'information locale en continu. Et donc, la matière existait, mais la façon de la traiter n'existait pas encore. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé sur l'information locale. Mais justement, une des bonnes illustrations de ce renouveau, s'il y en a un, c'est de voir une chaîne nationale, leader de l'information en continu à la télé en France, qui s'intéresse à la région, qui s'implante en région, qui ouvre des chaînes. Pourquoi pour BFM ? Qu'est-ce que ça représente ? Ça représente un nouveau marché, en fait, puisque BFM TV traite de l'actualité nationale, internationale, tous les jours, 24 heures sur 24. Il se fait que dans le paysage médiatique français, il y avait des chaînes locales, évidemment, mais qui sont en général des chaînes
globale, généraliste, mais il n'existait pas de chaîne qui ne faisait que de l'information et que de l'information en continu et que de l'information en continu locale. Et donc c'est comme c'est à partir de ce constat que tout le monde peut faire qu'on s'est dit ben voilà on sait faire de l'info en continu. C'est une façon de faire de l'info qui est très particulière, qui demande voilà un certain savoir-faire que je pense on avait acquis avec BFM TV. Et l'idée ça a été de capitaliser sur ce savoir-faire en l'adaptant à l'information locale qui, là encore, est différente de l'information nationale et internationale. Et donc, c'est ce savoir-faire déployé sur l'information locale en ayant comme objectif de... Alors, on voulait pas refaire du BFM TV en local, ça n'aurait pas eu de sens. C'est de se dire, voilà, on maîtrise certains codes de l'information en continu, mais on va l'adapter en se posant des questions sur la façon de traiter l'actualité. Et c'est comme ça, par exemple, que sur les BFM locales, donc il y a 8 chaînes aujourd'hui en France sur les BFM locales, qu'on a lancé le journalisme mobile. Tous les reporters des BFM en local tournent avec des smartphones, qui ne sont pas des caméras, alors qui servent de caméras, mais qui ne sont pas au départ des caméras. Donc c'était une façon voilà, qui existait dans d'autres rédactions, mais nous, on l'a généralisé à toutes les rédactions des BFM locales. Et on a lancé, pareil, dans l'idée de pas refaire du BFM TV dans l'organisation, mais en essayant de se poser des questions et en essayant de faire de ces chaînes un laboratoire, on a créé ce qu'on a appelé la présentation autonome. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un présentateur qui est en studio et qui lui-même lance tous les sujets qui ont été préalablement mis dans le conducteur. Donc là aussi, de toute façon, il fallait innover. On sait que l'information locale, ça coûte cher, que ce n'est pas facile, qu'il y a beaucoup de concurrence. Et donc, arriver sur un marché comme ça en faisant la même chose que tout le monde, ça ne sert à rien. Il fallait essayer de trouver un positionnement différent et une façon de faire de l'actualité différente. Justement, la concurrence. Qui sont vos concurrents aujourd'hui, Sophie Gourmelin, Jean-Emmanuel Caselta, sur l'information en région, l'information locale? Alors, la plus grosse concurrence qu'on a en presse, hein, en presse écrite, parce que c'est notre marché, c'est toute l'information qui est produite par les communes, par les bulletins municipaux, que ce soit sur le numérique, les sites hein, des départements, ou en bulletin municipal. Donc ça, c'est la plus grosse concurrence. Ensuite, il y a évidemment les médias gratuits, je dirais la presse gratuite par ailleurs. Et puis, on peut se dire concurrent, mais indirect quand même, parce que ce n'est pas du tout le même traitement de l'information, ce que vous faites sur BFM ou ce que vous faites en radio, mais c'est complémentaire. Donc nous, la vraie concurrence pour la presse écrite, elle est plutôt dans cette information que l'habitant d'une commune va trouver disponible gratuitement en fait sur les réseaux sociaux aussi, et en fait qui le rend moins enclin à acheter de l'information, en tout cas à acheter les journaux. Et puis ensuite, quand on veut monétiser de l'information locale sur le numérique, alors là, ça devient encore plus compliqué, puisqu'on se dit, toute l'information de proximité, on l'a gratuitement, donc pourquoi je la paierais? Donc nous, c'est ce qui nous a obligés aussi à repenser l'information locale, avec cette vision que l'on a aux Parisiens, qui est de faire des contenus payants à valeur ajoutée pour le numérique. Donc on a repensé la formation locale, on lui a redonné plus de valeur en la traitant un peu comme une information dite nationale, hein, même si c'est pas très beau de dire ça comme ça, mais en tout cas, de la travailler sous forme d'enquête, de reportage, de long format, de témoignage, et puis tous les sujets thématiques dont je parlais tout à l'heure, je parlais du serviciel, hein, transport, immobilier, etc., qui intéressent extrêmement bien la vie des franciliens. Donc le numérique nous a obligés à pivoter, justement parce que cette concurrence, sinon gratuite, sur tous les supports, elle était trop forte pour nous. Les médias qui traitent de la vie locale sont dans un univers de concurrence, je dirais, positif. C'est-à-dire que j'essaie toujours de faire en sorte que les stations locales de Bleu travaillent avec la PQR là où elles sont. Alors évidemment, nous, des partenariats avec France 3, mais sur des choses qui sont assez structurantes, parce que je pense que plus on consomme de l'information locale, plus on consomme de l'offre locale généraliste, plus les médias locaux, d'une manière générale, se portent bien.
Donc en fait, c'est pour ça que je parle de concurrence bienveillante, c'est qu'au final, on se porte les uns les autres et on se retrouve sur des tas de sujets. Et en plus, on se consomme de manière différente. Entre la presse écrite, entre la radio, entre l'info, la télé généraliste régionale, l'info locale. Enfin, de toute façon, on est sur des modes de consommation qui sont, je crois, assez complémentaires. Et c'est une saine concurrence. Après, on est concurrent de tout type d'offres qui proposent du contenu. Alors, qui n'a pas les contraintes de la production de l'information au sens où nous on se les pose. Et puis par ailleurs, on sort de systèmes oligopolistiques. Je veux dire que ce soit la FM, que ce soit la télé dans une proposition restreinte d'offres de chaînes de télévision différentes, ou que ce soit la presse. La porte d'entrée du numérique fait qu'on se retrouve là pour le coup face à des masses de concurrents qui sont infiniment plus importantes, qui proposent des choses qui s'apparentent à de l'info ou qui sont pour partie de l'info, puisque ce que vous citiez par exemple dans la communication gratuite des collectivités locales s'apparente à, mais on ne fait pas le même métier. Mais en revanche, ça participe de l'exploitation de l'espace disponible, et c'est là où on est dans une forme de concurrence qui est assez différente et plus difficile. Mathieu Fritsch, vous représentez Facebook pour cette table ronde. Comment se positionne Facebook dans un écosystème comme celui-ci ? Le thème de la table ronde, c'est entre concurrence et convergence. Qu'est-ce que vous apportez à cet écosystème ? Alors, je pense que ce qui est important de souligner, et ça rejoint la première question que vous posiez, c'est que aujourd'hui, vous avez des dizaines de millions de personnes sur Facebook qui se connectent tous les jours, qui échangent des contenus de leur famille, de leurs amis. Mais aussi qui accèdent à de l'information via Facebook et les autres plateformes type Instagram. Et lorsqu'on interroge nos utilisateurs sur quelle information est la plus pertinente pour eux, l'information locale fait partie vraiment des réponses qui viennent en premier. Donc c'est une préoccupation essentielle de nos utilisateurs. Et aujourd'hui, vous avez tous les médias locaux qui sont bien représentés autour de cette table, qui ont créé des communautés sur la plateforme, qui sont des communautés qui sont souvent très engagées. Aujourd'hui, si vous voulez, chez Facebook, nous, on a vocation à accompagner ces médias pour qu'ils puissent développer leur communauté sur la plateforme, afin que ça puisse servir au développement de leur business model. Vous avez des exemples très différents autour de la table. Vous avez Le Parisien, qui a un business model aujourd'hui qui est centré sur, qui se développe sur l'abonnement numérique en particulier, qui ne va pas avoir la même manière d'utiliser Facebook, qui est un média de service public comme France Bleu, ou qu'un média essentiellement centré sur la vidéo comme BFM TV. Et donc nous, notre rôle chez Facebook, c'est d'accompagner tous ces médias à travers la mise à disposition d'outils gratuits, à travers nos plateformes qui leur permettent de toucher une audience assez large, mais aussi à travers des programmes dédiés qu'on peut monter, toujours dans l'objectif de les accompagner sur le développement de leur business model. Parce qu'on reste persuadé que la presse, et les médias en général, et en particulier les médias locaux, sont essentiels à la vie démocratique. Et donc, en tant qu'acteur important de cet écosystème digital, on a vocation à les accompagner dans leur transformation digitale. Je vais vous donner un exemple. En particulier, en 2019, on a lancé un programme qui est un investissement de 2 millions d'euros centré sur le développement de l'abonnement numérique. Il faut vraiment garder votre micro près de la bouche pour les gens qui nous regardent en ligne. Auquel ont participé plus de 11 médias de presse quotidienne régionale. Et en fait, en travaillant au quotidien avec ces médias de presse quotidienne régionale, quand on leur a demandé ce qui était au centre de leurs préoccupations pour leur avenir, la chose qui vient en premier, c'est l'abonnement numérique. Et donc, on les a accompagnés en mettant à leur disposition des experts internationaux avec un programme d'accompagnement sur 9 mois avec du coaching particulier.
Et c'est un programme qui leur a permis de justement expérimenter des nouveaux dispositifs, de pouvoir accélérer sur certaines dimensions de leur business model, comme le développement des newsletters, l'optimisation des paywalls, et qui a permis de générer pas mal de résultats concrets dans la mesure où les participants de ce programme ont pu, à travers le programme, générer plus de 25 000 nouveaux abonnés numériques, 300 000 nouveaux abonnés à la newsletter. Et nous, la manière chez Facebook qu'on a de mesurer le succès de ces programmes, on utilise une méthode qui s'appelle, en bon français, la Customer Lifetime Value. Je pense que Sophie est assez familière avec le concept. En gros, c'est la valeur qui est créée par un client au cours de sa vie d'abonné, dans ce cas. Et donc, à travers ce programme, on a généré pour les 11 participants plus de 8 millions d'euros de valeur client à travers ces nouveaux abonnements, ces inscriptions newsletter, etc. Est-ce que pour tous les trois, Facebook, ça représente un acteur sur lequel vous vous appuyez, qui vous permet de poursuivre l'audience pour la télévision, poursuivre, garder le lien avec vos auditeurs, vos lecteurs, ou est-ce qu'aussi ça représente cet acteur qui capte votre audience sans rémunération? Comment vous trouvez le bon équilibre? Je pense qu'il y a deux choses. On a besoin, je pense que ce serait être aveugle de dire on n'a pas besoin de Facebook aujourd'hui dans la production d'informations. Bien sûr que c'est devenu un média incontournable. Mais je pense que aussi dans l'autre sens, pour Facebook, qui notamment s'est développé énormément avec la vidéo, pour une chaîne ou des chaînes, BFM Local, les 8 chaînes que j'ai la chance de diriger, dont les rédactions produisent, je crois l'année dernière, on a produit 13 000 vidéos dans l'année uniquement sur les BFM Régions, et si on rajoute BFM TV, RMC, RMC Sport, on doit être à plusieurs millions de vidéos par an. Et donc, forcément, c'est aussi des contenus qui, pour un diffuseur comme Facebook, sont extrêmement importants, utiles et indispensables dans le lien que peut avoir Facebook avec les internautes. Donc, les intérêts, ils sont parfois divergents, mais je pense qu'ils sont avant tout convergents. Oui, pour aller dans le sens de ce que vous dites, on a sur Facebook des outils de monétisation qui permettent, lorsque un éditeur diffuse sa vidéo sur la plateforme, de la monétiser. Et notamment avec les équipes de BFM TV, on travaille à justement développer ce relais de monétisation. Et notamment, on a travaillé avec les équipes de BFM sur le lancement des différents BFM en région, justement pour optimiser ce modèle-là et développer les revenus. On a aussi travaillé avec les équipes du Parisien, par exemple. Je sais qu'Aurélien Vierre, je crois, juste avant cette conférence, donnait une masterclass sur les best practices de la vidéo. Et effectivement, à travers le développement de la vidéo, on arrive à notamment toucher une audience plus large. Je crois que les vidéos du Parisien, elles sont passées de 5 millions à 50 millions en un an et demi. 70 millions en un an et demi, 70 millions de vues. Donc c'est le dernier chiffre du mois de septembre. c'est une croissance très, très, très impressionnante. Et ça va avec un développement des revenus qui sont associés à ces vidéos qui commencent à devenir assez conséquent pour le Parisien et pour d'autres acteurs qui utilisent les solutions de monétisation qu'on peut avoir sur Facebook. On voit le lien peut-être pour la presse écrite, pour la télévision. Et concernant la radio, Jean-Emmanuel Caselta pour France Bleu. Facebook, pour France Bleu, c'est un outil, un partenaire. C'est un outil parce que, en fait, vous réunissez des millions de gens. Et donc c'est une partie de la vie numérique de nos audiences et de nos futures audiences se passe sur Facebook. On est sur un sujet qui traite de l'info locale, donc pour moi Facebook c'est pas un robinet à actu, hein. C'est une manière de parler aux gens d'un certain type de sujet qui les intéresse particulièrement quand ils sont dans l'univers de Facebook. Un des enjeux essentiels, c'est de faire en sorte de rester dans l'univers de la marque qui produit les contenus plutôt que d'être exclusivement dans l'univers de Facebook, puisque il faut être extrêmement pragmatique et sans naïveté. C'est-à-dire qu'on se sert les uns des autres au gré de nos intérêts. On apporte un certain nombre de contenus qui sont distribués sur Facebook. Facebook nous apporte un certain nombre d'audiences
qui sont disponibles là sur ces réseaux-là. Et c'est de cette manière-là qu'on voit nos relations avec les, enfin d'ailleurs on parle de Facebook, mais en fait avec les réseaux sociaux en général, puisque la dimension de certification de l'info qu'apportent nos marques, c'est la valeur essentielle de ce que l'on apporte, et donc ça se répartit entre la manière dont on les expose en partie sur Facebook. Mais c'est un environnement qui n'est pas un environnement d'actu, c'est un environnement de proposition générale qui correspond aux attentes des univers sur Facebook et qui doit renvoyer aussi à la dimension de certification de l'info, puisqu'on parle d'info locale, qui est portée par la marque et qui, elle, se trouve, non pas exclusivement sur Facebook, mais sur nos radios, sur nos environnements numériques propriétaires, sur les réseaux sociaux et à la télévision. Est-ce qu'un des enjeux de l'info locale, c'est aussi de lutter contre la défiance des Français, mais il n'y a pas que les Français, mais des Français vis-à-vis des médias, avec en créant ce lien de proximité? Est-ce qu'ils sont moins méfiants d'un journaliste qu'ils croisent le matin à la boulangerie plutôt qu'un autre qu'ils verront à la télévision, qu'ils entendront sur une antenne ou qu'ils liront dans le Parisien? Le baromètre de la Croix, je crois, sur la crédibilité média, met toujours dans les premières positions les médias locaux. Alors après, je crois que c'est en 1, c'est le PQR, en 2, c'est la radio, fin de mémoire. Hein. Donc je pense que ce qui joue énormément, c'est le lien de proximité, évidemment. Je veux dire, les médias nationaux, c'est forcément... D'abord, c'est ressenti comme très parisien par toute une partie de la population. Alors, à tort ou à raison, ce n'est pas le débat du sujet, hein, mais de fait. Hein, et donc, il y a un lien de proximité plus immédiat. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que ce sont des marques qui sont quand même installées depuis des dizaines d'années, qui ont construit un lien de service. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont... les médias locaux, ils sont là quand il se passe quelque chose immédiatement en proximité. Alors qu'on n'en parle pas forcément ailleurs. Je prends un exemple, Lubrizol. Le matin, on est sur Lubrizol partout. Mais alors, France Bleu démarre, tout le monde traite Lubrizol. Et puis, en fait, à midi, on apprend le décès de l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Et en fait, Lubrizol disparaît. Et en fait, le seul endroit où vous retrouvez des infos sur Lubrizol, c'est dans la presse locale. Alors, en l'occurrence, France Bleu sur France Bleu, mais j'imagine que ça a été le cas sur les offres numériques, notamment de la presse locale. Et ça, ce lien de confiance-là, qui est qu'on est là quand il se passe quelque chose près de chez vous, parce que c'est là aussi où on vit, parce qu'en fait, près de chez vous, c'est près de chez nous, qui fait toute la différence. Pour nous, c'est hyper important et c'est la raison pour laquelle on a gardé des agences dans les départements de l'Île-de-France. On a encore 9 agences, donc cette proximité-là, on a des lecteurs qui viennent dans les agences du Parisien, qui connaissent certains journalistes nommément. Voilà, donc ça, c'est un lien qui est fort et qu'on ne veut surtout pas casser. Et pour nous, cette proximité locale, c'est aussi, comme vous dites, c'est les signaux faibles en fait, de ce qui se passe dans la société. On le perçoit parce que localement, sur le terrain, on a des journalistes qui y sont. Et bien souvent, ça devient ensuite un phénomène de société qui est amplifié par les autres médias, qui devient bien souvent un phénomène national. La crise des Gilets jaunes, pour prendre cet exemple-là, aux Parisiens, on l'avait vu dans l'Oise, très précisément, quand le prix du gasoil avait été passé au-dessus du prix de l'essence. Et ça, je m'en souviens très, très bien, c'était en octobre, donc c'était bien avant. Et on avait suivi et on avait commencé à voir, nos journalistes avaient commencé à voir les Gilets jaunes devant les vitres des voitures. Voilà. Donc ça, c'est des choses. Je pense qu'il n'y a que la presse locale, les gens qui sont sur le local, qui peuvent sortir ce genre d'informations. Et du coup, ça crée ce lien de proximité et un peu de confiance avec les médias, quoi. C'est un enjeu pour vous, BFM, en région, Philippe-Antoine ? Bien sûr, bien sûr. Et on voit, on constate une différence. Je pense que, pour reprendre ce que disait Sophie, plus on est proche, plus on déconstruit parfois le fantasme qu'il y a autour de la presse, des journalistes et des médias. Je prends un exemple. On a lancé 2 chaînes BFM d'ici dans le département de 04 et 05, donc des départements plutôt ruraux, avec une vraie proximité entre les journalistes et les téléspectateurs et les habitants de ces régions. Je sais que les reporters, par exemple, le matin, quand la matinale s'est passée ou quand le journal de la veille au soir a été diffusé, parfois ils se font engueuler dans la rue
par un habitant qui les, ça, qui, bon qui, signe. Qui les croise, voilà, ou au tabac, ou dans n'importe quel commerce ou à la grande surface, en disant mais est-ce que vous avez raconté hier, moi j'ai pas vécu ça comme ça dans ma rue, ou mais pourquoi vous avez pas parlé de notre ville ce matin, parce que franchement ça aurait mérité. Et puis parfois aussi c'est des remerciements ou des compliments, en particulier quand on remplit notre rôle de rendre service. Moi, je pense que vraiment notre job, avant tout, c'est d'être utile aux téléspectateurs, aux lecteurs ou aux auditeurs en leur rendant un service. Voilà, les gens, ils nous regardent, je pense, parce que, en tout cas, si on essaie de bien faire notre métier, c'est de leur être utile, tout simplement. Sinon, à quoi ça sert de s'informer, j'ai envie de dire. Alors, en particulier sur le local. Donc là, oui, le lien de proximité, il est très fort. Et puis, je pense, voilà, comme souvent, quand on ne connaît pas, bah, on juge, on a peur, on a un a priori. Quand vous voyez un journaliste travailler, voilà, appeler le matin la gendarmerie, la police, le tribunal, faire son métier de localier, de journaliste localier, en allant sur place et en rencontrant les gens, en discutant et en faisant son métier, je pense que ça rassure finalement celles ou ceux qui peuvent nous regarder. Vous avez évoqué, Sophie, la question du mouvement des Gilets jaunes il y a deux ans. Est-ce que quand on capte quelque chose comme ça, quand vos reporters captent des choses en région, est-ce que c'est facile de le faire remonter à un niveau au-dessus, au niveau national? Est-ce qu'on n'est pas un peu encore vu comme, oui, c'est un fait divers ou c'est une histoire qui se passe dans ton coin et pas plus? Ça se passe en conférence de rédaction, en fait. Donc, nous, aux Parisiens, on a la conférence de rédaction des éditions et ensuite, ça remonte dans la conférence de rédaction du journal. Donc, c'est la force de conviction du patron des éditions d'amener le sujet. Et puis ensuite, c'est l'intuition, je dirais, du patron de la rédaction du Parisien de penser que c'est un sujet qu'il faut porter au niveau national. Mais c'est une bataille, non, c'est une bataille quotidienne, bien sûr. Oui, alors on est organisé à Radio France de telle manière qu'en fait, 20% des dépêches de l'agence France Info sont issues de production France Bleu. Et donc, en fait, il y a ce système... qui est extrêmement vertueux, hein, d'abord parce que effectivement, enfin, France Bleu, c'est de l'ordre de 400 journalistes qui sont répartis sur tout le territoire, hein, il y a 44 stations, enfin bon, c'est quand même extrêmement important, qui produit donc massivement alors, tout un tas de choses, mais notamment de l'actu. Tout est mis à disposition de l'ensemble du groupe Radio France et l'agence France Info. Voilà, à peu près 20% de la production quotidienne de l'agence France Info est produite à partir de ce qui remonte des locales de France Bleu. Et ça a un double effet, c'est que, un, ça donne un accès au plus proche du terrain. Hein, c'est comme si l'agence France Info avait 400 journalistes sur le terrain. D'une part, et d'autre part, ça a un effet de valorisation de ce qui se fait localement au niveau national. Parce que la vie locale, c'est pas que ce qui se passe mal, c'est la vie, en fait. Parce qu'en fait, on vit tous quelque part. C'est bête, mais et notre vie ne se fait pas que d'actu, en fait. Et c'est, ça permet de valoriser la réalité de la vie du quotidien de chacun des Français là où il est. Donc, ça offre une richesse de propos, de traitements, d'angles et de sujets qui est très importante. Mathieu Fritsch, pour rester quelques minutes encore sur les Gilets jaunes, il s'était beaucoup organisé, il y a des groupes sur Facebook. Est-ce que Facebook peut justement être un relais pour faire émerger des signaux faibles et alimenter aussi ces médias régionaux locaux? Alors, il y a un outil qu'on met à disposition de toutes les rédactions qui s'appelle CrowdTangle et qui est un outil justement qui permet d'analyser ce qui se passe sur les pages et sur les groupes Facebook afin justement d'en capter les signaux faibles. Je sais, on a plusieurs exemples, que ce soit en France ou à l'étranger, que c'est un outil qui est très utilisé, notamment dans les directions de la rédaction, pour articuler le niveau local et le niveau national. Je vois des têtes qui se hochent. J'imagine que c'est très utilisé dans vos rédactions aussi. Parce qu'en captant ces signaux faibles et en voyant quels articles et quelles actualités génère de l'engagement au niveau local, ça permet aux rédactions nationales de repérer et soit d'aller faire un complément d'enquête, donc d'envoyer un journaliste sur le terrain, qui est pour une rédaction nationale n'est pas toujours une décision facile puisqu'il ne couvre pas forcément l'ensemble du territoire, soit justement de décider de se saisir de cette actualité, de la creuser et de la traiter. Donc en ça, oui, cet outil est assez important et permet de capter les signaux faibles dans les
dans les groupes ou sur les pages Facebook. Je voulais attirer votre attention, sortir un petit peu de France rapidement. On parle ici d'appétit pour l'info locale. Aux États-Unis, il se passe un effet inverse. Il y a une désertification de l'information, la presse régionale, la presse locale. Les titres de presse disparaissent les uns après les autres. Comment vous expliquez cette désaffection, cette crise, et est-ce qu'on doit craindre, à court, moyen terme, un tel schéma en France ? Je pense que la presse locale aux États-Unis, elle disparaît parce que ce sont des modèles qui sont restés sur le papier uniquement. Et du coup, pour des raisons économiques, il y a beaucoup de journaux américains, effectivement, qui se sont arrêtés parce que les lecteurs vont de plus en plus sur le numérique. Alors nous, on essaye d'opérer, quand je dis nous, c'est au sens large la PQR, parce qu'on essaie tous d'opérer ce virage vers le numérique et de créer des modèles économiques sur le numérique, ce qui n'est pas facile en presse locale pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations gratuites partout. Il faut vraiment faire de la valeur ajoutée, je pense, sur le numérique pour y arriver. Mais pour moi, c'est une partie de l'explication. C'est-à-dire que aux États-Unis, il y avait peu, et puis peu de moyens, peu de journaux ont été aussi repris par des groupes un peu plus puissants qui avaient les moyens de financer cette transformation numérique qui est extrêmement coûteuse quand on est un média de presse. J'entends, c'est très cher d'opérer cette transition du print vers le numérique. Donc si on n'a pas les moyens financiers de le faire, c'est sûr que des titres qui sont print only ont du mal à survivre. Je pense qu'on constate l'effet inverse sur ce qui est la télé locale aux États-Unis. Je sais que Altice a racheté aux États-Unis un groupe qui a... Altice, le propriétaire de BFM. Absolument. Et où on est propriétaire d'une chaîne qui s'appelle New York 12 aux États-Unis. Et on voit que, donc, à l'échelle de New York, il y a une chaîne locale par borough. Il y a une chaîne sur Manhattan, une chaîne sur le Queens, une chaîne sur Brooklyn, une chaîne sur Staten Island. Donc ça montre que, justement, je pense que plus on est proche et plus on est segmentant par rapport à une population et par rapport au bassin de vie d'une population, plus il y a la place pour informer les téléspectateurs. Alors là, je parle de la télé. Effectivement, la presse quotidienne locale aux États-Unis n'a pas le même avenir, j'ai envie de dire. Mais regardez à quel point la presse nationale américaine s'est transformée et a été un modèle, je pense, aujourd'hui pour tous les journaux, les journaux mondiaux, à la fois que ce soit le New York Times ou le Washington Post, à quel point ils ont compris, je pense, avant tout le monde, quel était le modèle à suivre pour à la fois faire des contenus intéressants et riches et pouvoir en vivre, puisque le New York Times aujourd'hui vit extrêmement bien. Emmanuel, vous avez... C'est des séquences. Pour la presse locale aux États-Unis, c'est vraiment extrêmement compliqué, c'est très clair. La radio locale, la télé locale, ça marche très très bien. Il y a des investisseurs qui réinvestissent le monde numérique pour faire de l'offre locale, enfin du papier numérique. On l'appelle comme on veut, mais ce qui est certain, c'est que... moi, je suis absolument convaincu que la vitalité des médias locaux influe considérablement sur la vitalité démocratique. Parce que c'est en lien direct avec le quotidien des gens. Et que si on fait vivre ce débat-là, on intéresse les gens à ce qui fait leur quotidien. On fait le lien entre le débat des acteurs publics locaux et de la vie quotidienne locale et on crée une appétence pour participer à cette démocratique et notamment ça s'exprime par le vote. En fait, un truc en démocratie, ça marche super bien si on va voter. Le jour où on ne vote plus, la démocratie, c'est qu'on perd un tout petit peu de sens. Et donc, c'est pour ça que je disais que la concurrence bienveillante qu'on a entre nous, c'est qu'on partage clairement ça en commun. Et je pense que c'est une conviction qui porte les investissements des acteurs privés, y compris à titre philanthropique, aujourd'hui aux États-Unis, pour réinvestir le domaine de la presse. Alors, dans une version rénovée, parce que voilà, c'est la vie, ça change, quoi. Mais dans une version rénovée, parce que c'est un des fondements sur lequel la presse libre ne peut pas vivre en démocratie. Donc, en fait, on a tout intérêt à soutenir les uns les autres.
Vous avez, vous Parisiens, revu assez largement la manière dont vous couvrez l'Île-de-France. Oui. Quel bilan vous en tirez ? Ça n'a pas été sans difficulté au sein du journal, se posant des questions pourquoi on passait de cahier spécifique à un cahier unique pour l'ensemble de la région. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette évolution ? Est-ce que vous avez l'impression de mieux couvrir, mieux rendre compte de ce qui se passe en région dans les différents départements de l'Île-de-France ? Ce qui est certain, c'est qu'on a beaucoup plus d'abonnements numériques aujourd'hui qui vient d'articles locaux qu'avant. Donc je pense que de ce point de vue-là, le pari a été vraiment réussi. On a aujourd'hui une visite sur cinq sur le parisien.fr qui se fait sur des articles locaux et deux abonnés sur cinq qui va se faire sur des articles locaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment cranté, je dirais, qu'on n'avait pas du tout avant. On fait moins de micro-local, donc on a réduit la production d'articles, c'est sûr, de presque 30%, mais on a augmenté le nombre d'abonnements numériques de 20%. Donc oui, moi, je considère qu'on a, on a un bilan qui est positif. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein, et puis, on voit bien au fur et à mesure. Alors, ce qui est agréable dans le numérique et stimulant, c'est qu'on voit les résultats aussi assez vite. Alors, je ne vais pas dire que tous les papiers sont faits avec une grille audience, visite, abonnement, parce que là, les journalistes ne prennent pas du tout. Mais on voit quand même les choses qui fonctionnent. Et du coup, on peut appuyer sur ce qui marche. Donc, ça nous donne des indicateurs. Je parlais tout à l'heure du transport, par exemple, en Île-de-France. Hein, c'est évidemment la mobilité douce, le vélo, Biclou, dont on a fait une vidéo en partenariat avec Facebook, qui nous a accompagnés sur le projet. Enfin, voilà. Ça, c'est des sujets très, très porteurs et qu'on développe... qu'on n'aurait pas fait avant dans une édition seule. Voilà. Jean-Emmanuel Casalta, vous sur France Bleu, je crois savoir que vous cherchez à uniformiser les grilles de vos différentes antennes. Est-ce qu'on doit faire la même info locale partout ? Alors, on ne doit surtout pas faire la même info locale partout. On doit faire le même niveau qualitatif d'info partout. Ça n'a strictement rien à voir. Et l'objectif qui est celui de France Bleu aujourd'hui, en fait, c'est de construire une rythmique d'antenne commune, une tonalité commune. Mais en revanche, à l'intérieur des grilles, celles-ci sont totalement à la main de l'ensemble des équipes. France Bleu, c'est un savant compromis et qui est toujours en redosage perpétuel. Entre ce qui relève de l'harmonie générale de la proposition éditoriale et de la typicité absolue qu'il doit y avoir dans chacune des locales, pour qu'on reconnaisse qu'on est toujours sur France Bleu, mais qu'on reconnaisse à chaque fois que c'est ça France Bleu. C'est ça l'exercice de France Bleu qui est en cours aujourd'hui. Enfin, qui est en cours aujourd'hui. Ça fait 20 ans que France Bleu existe, ça fait 20 ans que l'exercice est en cours. Donc, et d'ailleurs, j'ai une info, hein, dans 20 ans... Ce sera encore le cas parce qu'en fait, c'est une question de dosage qui s'adapte au fur et à mesure des évolutions du secteur. Puisque dans le domaine de la radio, ça bouge considérablement. Et donc, il y a une nécessité de réadaptation à chaque fois au long cours, puisque 44 stations locales, c'est un bateau qui se navigue doucement. Je me tourne vers la salle. Est-ce qu'il y a une question parmi les gens qui sont avec nous ? Pas à ce stade, donc nous continuons. Qu'est-ce qu'apporte BFM en région ? Est-ce que la marque BFM, la marque Ombrelle, la grande sœur, vous apporte des choses, vous donne des forces supplémentaires ? Ou est-ce que vous, dans l'autre sens, vous donnez du contenu à BFM TV ? Alors oui, bien sûr. On parlait tout à l'heure des gilets jaunes et de l'info qui remonte du terrain. Depuis la rentrée, on a BFM TV, pour le coup, a beaucoup accentué la diffusion de reportages venant des BFM locales, des 8 chaînes locales, notamment dans la matinale de Christophe Delay, qui a une vraie perception et une vraie sensibilité à ce qui se, entre guillemets, à ce qui se passe dans le pays. Voilà, faire remonter ce petit d'information. Et sur le 12-14 aussi de Pascal de la Tour du Pin, on a BFM TV a créé deux rendez-vous où on diffuse systématiquement tous les jours deux reportages des BFM régions ou des correspondants de BFM TV. Donc oui, cette information-là, et c'est très important pour les acteurs locaux de se dire que localement, on va parler de leur initiative, de leur entreprise, de leurs idées, de l'actualité. Mais que si en plus, ça peut avoir une portée et une incidence nationale, c'est important parce qu'on se rend compte aussi à quel point souvent, localement, le mot, c'est de dire, mais en fait, personne ne nous écoute ou personne ne nous entend là-haut à Paris. Voilà. Donc, c'est aussi une façon de faire remonter des sujets ou des débats. Je prenais un exemple. On a une chaîne à Lyon, BFM Lyon. Aujourd'hui, à Lyon, la mairie est écologiste, la métropole est écologiste. Donc, tous les clés du pouvoir
politiques à Lyon sont aux mains, entre guillemets, des écologistes. Et donc, ça veut dire aussi que c'est un laboratoire extrêmement intéressant à suivre au quotidien, parce que voilà, il y a une campagne électorale présidentielle qui commence à s'ouvrir. Voilà, là, on a des exemples tous les jours et plusieurs de choix politiques intéressants, importants sur la mobilité, sur la nourriture, sur le zéro déchet, plein de sujets qui sont dans la campagne. Mais il y a des promesses qui sont faites. Là, on peut regarder à Lyon ce qui se fait. Alors Lyon, il y en a d'autres, hein, mais Lyon, c'est métropole et mairie, ce qui fait que c'est là aussi avoir une chaîne locale et parler d'informations locales sur des territoires comme cela, c'est vraiment très très intéressant. Mathieu Fritsch, une des craintes des grands médias très connus, des médias nationaux, c'est de voir leur marque diluée, disparaître dans un environnement comme celui de Facebook. Et est-ce que la crainte peut pas être encore plus forte quand on est un média régional, un média local? Et comment faire pour que, justement, au sein d'une plateforme comme la vôtre, ils puissent continuer à exister, être visibles et être connus? Alors déjà, je pense que les marques médias, elles sont très importantes pour les lecteurs et pour les utilisateurs de Facebook. Et sur Facebook, on essaye de les rendre le plus visibles possible et justement de pouvoir permettre aux utilisateurs, via notamment le bouton contexte, d'accéder à plus d'informations sur la source du contenu qui est affiché. Donc quand vous voyez un contenu du Parisien ou de Ouest France, vous pouvez, le bouton il est vraiment sur l'image, vous pouvez cliquer dessus et vous avez vraiment toute l'information qui est liée à la marque média avec un lien vers le site et vers un lien de transparence éditoriale, on va dire, sur le média en question. Par ailleurs, et vous l'avez sûrement vu dans les derniers mois et dernières années, on a lancé dans plusieurs pays un espace dédié à l'actualité qui s'appelle Facebook News, qui est aujourd'hui disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie, et qu'on espère bientôt lancer en France, qui justement a vocation à créer cet espace dédié à l'information professionnelle produite par des médias reconnus, et justement encore plus mettre en valeur les contenus et les marques de ces médias-là auprès de nos utilisateurs. Très bien, ça, le mot de la fin, il nous faut conclure. Merci Philippe-Antoine, merci Mathieu Fritsch, merci Jean-Marie Casalta, merci Sophie Gourmelin. La suite de Médias en scène, c'est maintenant. Thank you.